Je trouve que c'est vraiment bien. Le Québec accueille vraiment bien les immigrants. Je me considère, oui, québécoise, mais si quelqu'un, par exemple, dans la rue me croise et me dit « Ah, where are you from? D'où tu viens? » Je vais dire « d'Algérie. » Je pense que c'est vraiment Montréal qui me représente, Montréal avec la multiculturalité. Je trouve que c'est une richesse juste de voir la classe en ce moment. Quand tu viens au Québec, t'as toujours un risque de te faire renvoyer. Et crois-moi que c'est pas le français que tu vas commencer à apprendre, c'est l'anglais. Les accommodements raisonnables vont des fois un petit peu trop loin. Quand on se fait intimider à l'école, comme moi j'ai dû changer d'école, mon premier école secondaire, parce que c'est vraiment vrai, genre les gens me disaient pas mourir. Et j'avais honte, un peu, parce que je pensais que c'était moi le problème. Les gars qui vont préférer, par exemple, se faire, je sais pas moi, lécher les testicules. Je rentre trop dans les détails, ça vous dérange-tu? Okay, autrement dit, tu veux avoir des relations sexuelles super, là? Lavez-vous. Personne ne va jamais te donner son territoire. Obviously, il faut faire ça par toi. C'est vous sortez, en l'air, je vous donne rien. Vous voulez que les deux sortent en même temps pour s'engueuler dehors? Je voudrais juste dire que si on fait la grève, c'est pas pour rester chez soi à rien faire le jeudi 22 mars. Okay. Si on fait la grève ce jour-là, c'est pour aller manifester. Me semble que Che Guevara n'a pas demandé aux poubelles s'il pouvait faire la révolution. Le discours que nous tiens présentement, il est très loin du discours d'un élève de 5e secondaire. Point final, je ne veux plus t'entendre. Tu crois vraiment que dans la manif de 200 000 personnes, tout le monde était pour, il y avait des cancers et tout, t'inquiète pas. Je sais, aux yeux, genre. Tu fais intelligemment ou tu fais juste pas. Juste que là, on perd de la crédibilité pour rappeler. Exactement, on perd de la crédibilité.